t'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC, je t'invite à aller checker sur le site Digizany pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Matter et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3, tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo! Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est le peut-être tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ah attention, aujourd'hui j'ai mis la nucléaire face à un membre Apex, Apex Renas. C'est le meilleur joueur. Non, bien évidemment t'as compris que je me fous de ta gueule. Enfin bref les gens, ça va faire une petite vidéo assez sympathique concernant justement ceci. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout n'hésite pas à défoncer la barre des likes. Si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, ça serait juste génial. Niveau du gameplay, justement, au niveau du gameplay, c'est du Call of Duty World War 2. Et surtout, c'est que c'est sur une des maps que je déteste le plus. Bon, on va éviter d'en parler de ça, etc. World War 2, j'en ai déjà fait une sorte de, comment dire, une sorte d'analyse par rapport à ça, etc. Disant quels étaient les points négatifs de ce Call of Duty-là. Peu importe. Donc maintenant, on va se retrouver donc aujourd'hui concernant les fakes. Bien évidemment, vous connaissez les fakes, hein, ce n'est pas un vrai membre Apex. Hein. Mais c'est quand même assez marrant de se dire que on est content, franchement. Des fois, on est content que vous dites « Oh, on reconnaît l'Apex, etc. » Tu vois, ça nous fait plaisir, etc. Mais je sais, vous allez toujours avoir ce sermon « Oh là là, c'est toujours chiant, etc. » Oui, c'est chiant, en fait. Des fois, pour nous, ça veut dire que quand on affronte tout simplement des personnes qui nous reconnaissent, etc., bah, le premier truc, voilà, c'est qu'ils essayent de prouver qu'ils sont meilleurs, etc., ou qu'ils essayent de prouver quelque chose. Lorsque nous, on va tout de suite vous le dire, on s'en bat les couilles, on s'en bat directement les couilles. Nous, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est que quand on arrive sur la console, bah, on veut jouer, c'est tout. On ne veut pas prouver à quelqu'un qu'on est meilleur, etc., etc. On s'en bat les couilles. Mais vraiment, on s'en bat les couilles de ça. Donc ça nous fait toujours extrêmement rire, en fait, par rapport à ça. Et surtout que c'était la première nuque que... Ouais, c'était la première nuque STG-44 que je mettais. Je n'avais pas mis encore la nuque à la STG-44. Bon, pour moi, comme je t'avais dit, hein, concernant World War 2, je trouvais les SMG plus intéressantes que les AR, sauf la STG-44 qui est vraiment très puissante. Mais bon, la Type 100, je la trouve géniale. La PPSA, je la trouve géniale. La Chris Gun, je la trouve géniale. Tandis que les AR, voilà, il n'y a vraiment que, pour moi, il n'y a vraiment que la STG-44 qui est vraiment très intéressante. Peu importe. Mais là-dessus, c'est que par exemple, je suis retourné récemment sur Black Ops 3. Oui, vous allez avoir des gameplays nucléaires assez récents, en fait. Hein. J'en ai fait 5 aujourd'hui. Donc comme ça, ça a pu comment dire, rajouter, on va dire, du contenu sur Call of Duty Black Ops 3 sur ma chaîne. Bien évidemment, j'ai réussi à enfin faire le pot de vin. Je me suis motivé, je me suis vraiment bougé le cul à faire le pot de vin. Comme ça, ma grand-mère vous l'ouvrira, etc. Ça risque d'être quand même assez marrant, ça risque d'être assez rigolo là-dessus. Et bien évidemment, je ferai la même chose avec le Grand Chelem. Donc en fait, on va dire que ces derniers temps, je me force à vous refaire des vidéos suite à mon inactivité. Mais de nouveau, les histoires de les membres, les faux membres Apex, etc., ou les personnes qui utilisent mes blazes, oui, parce que, bon, les blazes, je vous ai déjà fait une vidéo rien que sur mes blazes, je pense que vous avez pu regarder à quel point c'est à mourir de rire de voir certains blazes qu'on revoit très souvent sur Infinite Warfare. Je crois que mon fake sur Infinite Warfare est plus connu que moi. Non, non, vraiment, je déconne pas là-dessus, il est plus connu que moi, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, ils disent « Oh tiens, on est tombé face au fake de l'Octet 2, etc. » Vous avez plus de probabilité de tomber face à mon fake que moi. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Faut se dire qu'au moins, sur une finitoire phare, si t'es tombé sur mon fake, bah, tu devrais quand même être heureux, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin bref, je l'ai jamais vu, je sais même pas qui c'est, je sais qu'il y en a un ou deux, ce sont mes fakes, etc. Je les connais, ils sont assez marrants parce qu'ils ont voulu faire des comptes et tout. Mais bon, c'est comme le fameux Apex Punkill 17 qui est level 1000 avant Punkill sur BO3. Ça m'a fait bien rire quand même. Ça, j'étais vraiment mais mort de rire. Et puis des fois, justement, ça crée des embrouilles pour rien, quoi. Des fois, j'arrive sur Twitter, etc. Il fait « Oh, regarde ce que je t'ai mis sur BO2 !» J'achète, gros, ça va faire 2 ou 3 mois que j'ai pas allumé ma Play 3 juste pour jouer. « Oh, mais regarde, il a ton pseudo, etc. » J'achète, mais mec, c'est pas moi, c'est vérifie mieux, etc. Donc ça me fait toujours extrêmement rire, en fait, là-dessus. Ou sinon, c'est les faux membres Apex. Des fois, il y en avait un, c'était quoi ?« Ouais, j'ai détruit un membre Apex, etc. » Et il nous a balancé le nom du membre Apex, mais on était mort de rire. On dit « Non, mais ce mec, il est pas Apex, qu'est-ce que tu nous baragouines, toi, encore, etc. » Et ça nous fait toujours rire. Alors d'un côté, comme j'ai dit, c'est cool parce qu'on peut au moins se dire « Ouais, on a une certaine, comment dire... » C'est-à-dire que
ce qu'on fait plaît aux gens, tu vois. C'est-à-dire que c'est cool, qu'on dit aux gens, enfin qu'on dit que nos vidéos plaisent, tout simplement, voilà, que c'est cool d'être Apex, etc. Que c'est peut-être de l'estime pour certaines personnes, j'en sais rien, etc. Peu importe. Chacun choisit sa version des choses. Bon, on va dire que je suis quand même assez content d'être Apex, etc., d'être dans la team et contribuer au projet. Mais là-dessus, c'est que à un moment donné, des fois on en a marre, vraiment, je vous le dis tout de suite, des fois on en a marre. C'est des fois dans les accueils, sur BO3, je suis tombé une fois sur un groupe de 5 portant le nom Apex. Mais mec, vous êtes pas Apex, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une vie à côté? Est-ce que vous voulez absolument entrer Apex et que vous avez la fierté, ou tout simplement que c'est, vous voulez soi-disant prouver à des personnes que vous avez le niveau pour entrer Apex, etc. Des fois, c'est vraiment très 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 chelou. Donc c'est là-dessus, je comprendrai toujours pas en fait pourquoi avoir un fake de quelqu'un, etc. Par exemple, j'ai beau aimer l'ancienne performance avec Croque Madame, Tonio, Chronique, Zénon, Fireplace, enfin bref. À l'époque également de SLB sur Ghost, etc. Voilà, tu vois, c'est les bonnes époques de la perf. Qu'est-ce que je veux dire par bonne, hein? Je dis pas que, bon, quoique la perf de nos jours, c'est plus la même que l'époque, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'ancienne perf, voilà, c'était un truc de malade, c'est la vraie nostalgie et tout, de Call of Duty Black Ops 2, etc. Peut-être que maintenant, on va dire que la perf est plutôt assez entachée là-dessus, elle a pris un sacré coup dans la gueule niveau image qu'elle donnait par rapport à l'ancienne époque et celle de maintenant. Mais on va dire que c'est quand même bizarre, voilà, c'est quand même bizarre de se dire putain, j'ai le fake de mon youtubeur favori, tu vois. Genre, ça fait plaisir, de nouveau, ça fait plaisir, mais pour moi, par exemple, je ne pourrais pas. Là, par exemple, j'ai pas compris, j'ai balancé trois trucs, j'ai balancé un truc, il y en avait trois, ils sont pas morts, enfin bref, peu importe, c'est World War 2, faut pas chercher à comprendre. Et surtout, c'est que si c'est pour être un fake de moi-même et en plus se prendre une nucléaire contre moi, oui, parce que je mets la nucléaire à la STG-44, je vois même pas l'intérêt, tu vois, je vois même pas l'intérêt de faire des comptes fake Apex, etc. Parce qu'en même temps, ça aussi c'est un truc, c'est que ça peut entacher l'image d'une team, hein. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas la Apex, qui va se dire ah Apex, etc., et je sais pas, il a un marque de clan comme sur BO3, et il met en logo je fais partie de la Apex, et le mec il s'est fait démolir parce que je sais pas, peut-être il a 1-2, 1-3 de ratio. Et tout de suite, on va aller sur la chaîne de team ou celle de Twitter disant « Oh, je vous ai défoncé, etc., etc., etc. » Et nous, on va être là en mode « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là, etc., etc. » Bon, je vous dis pas que je fais 100% que des bonnes games. Attention, hein, ça m'arrive également de faire des mauvaises games. Ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises games. Mais on va dire que quand ça arrive et qu'on comprend pas pourquoi, on est là, fait « Ouais, mais ça entache l'image de team. » Par rapport à ça, etc. Et les gens ne sont pas forcément au courant de tous les membres. Il y a déjà des personnes qui sont fidèles à ma chaîne et des fois qui ne savent pas qui sont les membres. Hein. Franchement, je vous le dis dans l'espace des commentaires, vous me dites tous les membres qu'il y a Apex. Je parie qu'il n'y en a pas un, mis à part qu'il soit Apex, bien évidemment, ou quelqu'un qui est ancien Apex, qui va me dire tous les membres qu'il y a dans la team. Pour l'instant, vous ne savez pas, ça va arriver prochainement, etc. Vous allez tout savoir, etc. Il y aura un fichier et tout, etc. sur la Apex. Mais à la base, vous ne savez pas qui sont tous les membres Apex. Donc, forcément, on va dire que quelqu'un qui ne connaît pas, bah, forcément, ça peut entacher l'image de team. Donc, derrière vos écrans, si vous avez des comptes fake Apex, oui, parce que cette fois-ci, je le dis pour éviter également mes faux comptes à moi, évitez. Et puis, si par hasard, on vous dit, est-ce que vous êtes un vrai membre Apex? Évitez de dire que vous êtes un vraiment pas Apex. Au moins dites la vérité, autant que ça soit cool pour vous, autant que ça soit pour moi. Parce que si vous le dites et que ça prend, vous allez être dans les emmerdes, on va vous trash talk, mais vous imaginez pas à quel point. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâche le petit pouce bleu si t'es resté jusqu'à la fin. Dans l'espace des commentaires, essaye de trouver tous les membres Apex. Je te dis bonne chance, c'était Loctetou, ciao ciao.